Deux opérations efficaces auxquelles s'attelle la police nationale congolaise. Premièrement, la sensibilisation de la population sur la stricte observance de gestes barrières pendant ce temps de riposte contre le nouveau variant de la COVID-19, ainsi que la traque des fauteurs de troubles afin de passer les fêtes de Noël et de Nouvel An en toute sérénité sur toute l'étendue de la province de l'Équateur. Le commissaire provincial à l'intérim de la PNC Équateur, colonel Guilain Sangwa Niembo, l'a dit à Jordan Ituta. Mes chers frères, la maladie est en train de faire son bon chemin. Pour arrêter cette maladie, c'est nous. Si nous vous avons appelé, c'est pour que vous puissiez relayer les messages. C'est la sensibilisation. Compte tenu de tout ça, premièrement, du côté police, nous avons arrêté cette méthodologie. Tout celui qui est Kuruna, tout celui qui est voleur, tout celui qui est bandit, à cette époque, qu'il vole, qu'il ne vole pas, qu'il crée un problème, qu'il ne crée pas un problème, nous devons l'interpeller. Je dis bien, nous allons l'interpeller. Je ne dis pas, nous allons l'arrêter. Nous allons l'interpeller, le mettre hors état de nuire pendant toute cette période de festivité. C'est pour permettre à la population de passer les fêtes dans la quiétude. Nous les faisons, pas pour nous-mêmes ou pas pour quiconque, mais nous aimerions que nos frères et sœurs que vous êtes, vous puissiez passer les festivités dans les calmes.